Ladies and gentlemen, welcome to Who Wants to Be a Mathematician? Alors concrètement, la fibre, c'est du verre dans lequel on fait passer un signal lumineux. Cette action a remporté un franc succès auprès de tous les élèves et sera bien sûr reconduite l'année prochaine. Sur 500 participants, il y a peut-être 50, 60 personnes qui sont un petit peu dans cette démarche de performance. On a toujours travaillé pour ballon, on en est toujours là. Donc moi, la SMSP, je vais bien. Il n'y a pas de souci s'il faut travailler demain pour la SMSP. Mais qu'on regarde le fond des problèmes des petits rouleurs comme moi. Voilà, et après, on a 450 autres personnes qui sont là pour découvrir, pour se surpasser un petit peu, parce que ce n'est pas toujours évident. J'entends les bruits des bottes qui claquent. Et puis, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont là pour ce moment passé en tribu. Aujourd'hui, 18 novembre, jour pour jour, cela fait 31 ans qu'Éloi Machoro a brisé l'urne de la mairie de Canala à coups de tamioc. Aujourd'hui, au niveau du bilan, on se rend compte que globalement, c'est positif. Par son geste, Éloi Machoro incarne par la suite le symbole du boycott des élections territoriales ainsi que de l'action indépendantiste et ouvre également le premier chapitre des événements. On a remarqué un comité d'accueil qui est en négatif. Parce que là, on a beau à dire que oui, on n'accepte pas, on donne à un tel ou on donne à... Tant qu'on n'a pas mis notre stratégie minière en place, tant qu'on n'a pas un schéma qui tient la route ou que tout le monde veut qu'on aille dans ce sens-là, il y aura le bordel. Il y aura le bordel. Ils sont contents de participer à cette activité parce que, à travers les jeux, ils vont rechercher les livres des personnages qu'ils connaissent bien. Aujourd'hui, 18 novembre 2015, ça fait effectivement 31 ans que l'urne a été brisée par Éloi. Il faut des temps de parole comme ça, de façon à ce qu'on comprenne un peu ce qui se passe sur le pays. Nous, on n'accepte pas qu'un jeune qui a été victime d'un coup monté se retrouve à la rue. On a conclu, d'après nos recherches, que comme quoi il a été vraiment injustement licencié. Donc nous, on veut et on demande à la direction de la province Nord qu'il le fasse réintégrer à son poste de travail. Alors, cette opération, en soi, elle n'est pas extrêmement compliquée. En attendant que les décisions soient prises par le gouvernement sur l'ensemble des demandes d'export, le syndicat Contractmine reste vigilant sur les éventuelles réponses et pourrait, en fonction de celles-ci, afficher son mécontentement d'une autre manière qu'une conférence de presse. La marionnette, c'est un outil qu'on n'utilise pas beaucoup et pourtant qui permet de libérer la parole parce que les enfants étant cachés par un casse-soleil, ils sont souvent plus à l'aise pour s'exprimer. Voilà, quand même les patrons. Donc que nous on puisse travailler normalement, comme n'importe quelle entreprise qui a un contrat dans le site de Valais. Parce qu'ils savent que c'est pas eux qu'on va voir, mais c'est la marionnette, même si des fois c'est même la voix a du mal à sortir. Mais je crois que nous ne sommes pas suffisamment connus. La Croix-Rouge, on pense tout de suite secouriste, parfois urgence, on pense rarement à action sociale. L'illettrisme, les personnes en difficulté, les personnes qui sortent de prison. On a énormément de choses à faire dans le social. Si on ne transmet pas, demain, nos enfants, ils sont pas bien construits. Moi, je dis ça comme ça, parce qu'il y aura des choses qu'il y aura un petit manque en eux. Le poète n'est rien sans ses pieds. Plus d'une centaine de personnes ont répondu présentes à l'appel, comme Solange, originaire de Tours. Moi, je suis venue aujourd'hui, c'est parce que je suis militante du Palika et puis ça nous concerne, ce qui se passe dans le pays, et puis c'est quand même l'avenir de nos enfants. Mais en vrai, il s'appelle Pipioli. Oui, non, la souris, elle s'appelle Pipioli. Sa mère, elle veut pas qu'il va avec Zigoma. C'est mérité. Elle a beaucoup travaillé à la fin, voilà. C'était pas gagné au départ. Cette nuit à Nouméa, cette nuit, pense à moi. New Caledonia is very famous for its very rich biodiversity, so every plant is very important, very interesting.
Et ils sont vraiment tarés, ces mecs. Je me pose la question. Le poète est un marcheur. Il va du sud au nord, il va sur les places de marché pour partager les mots, la danse et tout ce que nous sommes. Dans la majorité des cas, c'est l'homme qui est à l'origine des incendies. D'après les gendarmes, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel. Pour les pompiers, la vigilance reste donc une priorité. L'argumentaire qui était avancé principalement, effectivement, regardait un certain nombre de points techniques qui étaient liés au travail, aux conditions de travail des rouleurs. Oriane Choloué insiste sur l'importance pour une femme leader de connaître ses droits. Il y a des ateliers de travail, notamment sur la politique du gouvernement en matière d'égalité entre les sexes, entre hommes et femmes. Ma technique pour réviser, c'est les fiches de révision. Mais j'ai une mémoire photographique, du coup je fais beaucoup de schémas. Jessica veut faire de l'image son métier. C'est donc naturellement qu'elle s'est inscrite, comme 11 autres stagiaires, à une formation à la photographie proposée par le Centre culturel Pomémy. On a expliqué la manière de le positionner en fonction des éléments du terrain pour que l'usager, le marcheur, se sente pris en charge par le balisage et n'ait pas à se poser de questions. C'est juste pas possible, quoi. C'est inacceptable. Le niveau de sécurité n'est pas garanti. On est rentré dans un débat où que c'est celui-ci qui ne fait pas bien la chose ou que c'est l'autre qui ne fait pas bien la chose. Résultat, on découvre qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien net. L'appel dit cacabouda. Et à chaque fois, il y a un problème. Donc là, quand j'ai vu le billet d'avion arriver, je me suis dit, bon, ben, cette fois-ci, c'est la bonne. Ben, c'est tout le monde qui est pénalisé, surtout les enfants, surtout pour les rentrées des classes, tout ça, là. Et puis, on essaie de faire, d'améliorer le transport de tous les Calédoniens. Puis si on commence à se comporter comme des sauvages, je dirais ça, c'est des sauvages. Le constat que nous avons pu faire jusqu'ici en ce qui concerne la desserte maritime et aérienne, et notamment dans les îles, parce que si vous allez sur la Grande Terre, vous montez sur la voiture et en 2 à 3 heures, vous êtes là-bas. La ligne Nouméa-Wailou du réseau d'autocars interurbains est suspendue depuis ce lundi 2 novembre. Un des chauffeurs de la ligne a été agressé le 26 octobre. Conséquence, 3 jours d'ITT, le conducteur a exercé son droit de retrait. D'après nos sources, les agresseurs ont uriné dans le véhicule, cassé des vitres. Les usagers sont exaspérés. Si nous n'avons pas, nous, les clés, nous ne pouvons pas imposer une solution ou une option à telle ou telle personne ou à tel ou tel élu, nous pouvons en tout cas faciliter le dialogue. Si c'était nous, ben, il faut les punir, ces personnes-là. Caca Boudin, Zigomar, des héros auxquels les enfants s'identifient et qui ont une place majeure dans cette exposition prêtée par la médiathèque de Rivière-Salée et la ville de Nouméa. SMSP et la Sofinor sont des acquis politiques qui mettent en œuvre justement cette doctrine nickel. Et donc, il nous fallait les défendre. Pour moi, c'est la première fois que je vois un spectacle comme ça. Puis en plus, ici, on marche. Nous, on est un collectif non violent. On sait qu'on suit, on respecte la loi. Donc nous, on vient manifester. Demain, il y a un référé contre nous, on nous dit de dégager. Les gendarmes viennent nous faire dégager, on dégage. Mais après, on revient jusqu'à ce qu'ils sont fatigués. L'idée, en fait, c'est de pouvoir bouger en s'amusant. Et plus on fait du sport, et puis plus on se sent bien dans son corps. Et quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête. Donc je trouve que tout le monde devrait quand même en faire un petit peu. C'est aux gens de se responsabiliser, comme tout être humain doit être responsable de ce qu'il fait. Je pense que c'est encore un jeu au niveau du gouvernement pour mettre une sucette au président du contrat commune pour qu'il puisse, je pense, se taire. Nous, on est là tous les samedis, mercredis, à marcher. Mais j'ai jamais vu ça. Bien, ça change un peu. Cette manifestation a été l'occasion de soutenir la doctrine nickel qui est, selon les indépendantistes, remise en cause par les rouleurs et les mineurs en grève. De l'aquazumba, de la plongée, de l'apnée, les activités aquatiques étaient à l'honneur pour cette journée sport-santé Broussard-Embrassard organisée au centre aquatique de Pointe-Brout.
Se cacher à travers d'un foulard, ce n'est pas de la lâcheté. C'est simplement parce qu'avec le système français, dès l'instant qu'on a un nom et un prénom, ben je vous, vous inquiétez pas que la province Nord, là, ils vous envoient déjà des requêtes au tribunal. Dans des moments difficiles comme aujourd'hui, où les cours du nickel sont bas, eh bien c'est vrai que la profession est impactée. Ce sont les fameux résultats. Il y en a quelques-uns qui vont être encore obligés de retravailler. Après ces périodes de chute, il y a une période où les cours du nickel remontent et il suffit simplement de trouver les moyens au niveau du pays de passer ce cap difficile. Je ne sais pas quoi dire en fait, je suis désolée, mais... C'est bon, rien à dire. C'est bon, elle l'a eu, elle est heureuse. Nos points forts, c'est la défense. On est fort en défense. En tapé, on est fort aussi, mais c'est notre défense qui est... Le nickel, c'est vrai, est un sujet purement économique. Donc les acteurs économiques que nous avons rencontrés à midi nous ont dit en gros, laissez-nous travailler. Mais c'est aussi un sujet qui a une importance politique importante pour la Calédonie, puisque c'est une source de ressources considérable. On avait à peu près deux fois moins de poissons, trois mois après l'accident, qu'avant l'accident en fait. Autre cours d'eau, la Coué, où l'œil a constaté une concentration d'un élément chimique, la manganèse. En plus de l'activité minière, se rajoutent les feux, l'activité humaine, le milieu se fragilise. Cet écosystème qui abrite une faune et une flore exceptionnelles, mais aussi de nombreux animaux aquatiques. Ce que fait le haut-commissaire, c'est-à-dire vraiment rapprocher les points de vue, parler avec les uns et les autres, est, me semble-t-il, la démarche sur laquelle l'État est obligé de s'engager. À l'opposé, nous avons des cours d'eau qui, eux, ont un état de santé, un état dégradé. Alors, il y a notamment le creek de la Bénor. C'est vrai qu'on s'en souvient, hein, en mai l'année dernière, en 2014, il avait subi un accident lié au déversement d'une solution acide. Et bien, l'observatoire a constaté que plusieurs mois après, cet accident était encore perceptible. Je partage l'opinion des élus, puisqu'il faut savoir que cette richesse est pour l'instant, on ne voit rien. Enfin, certains gens disent qu'on ne voit rien, mais on a quand même 51% qui reviendra quand même au territoire. Voilà, c'est pour ça que je suis là, pour défendre l'intérêt du nickel et surtout pour l'avenir de mes enfants. Que l'on puisse s'engager sur un terrain où la poésie et la danse travaillent ensemble, cela me semble fondamental et évident. Il faut jouer par rapport à la composition de l'image, par rapport à la profondeur des champs, beaucoup pour la mise en valeur de chaque image. Parce qu'en fait, ce sont des sœurs jumelles, elles ont toutes deux besoin du rythme, du tempo, de l'espace, de la cadence et des silences. Donc aujourd'hui, il va y avoir vraiment un gros souci de trésorerie pour les petites entreprises. Et donc on demande justement la participation du fonds Nickel pour aider ces entreprises qui se sont retrouvées en difficulté. C'est un tout, c'est le développement des valeurs humaines, le développement du destin commun et puis l'économie, la solidarité et puis la valeur humaine qui se rajoute à cette grande dimension-là qui est vraiment fait partie de la politique de développement de la province des îles. On ne sait pas trop, tu vois, l'utilité de toutes les choses qu'il y a dessus, quoi, tu vois. On était plus axé sur l'automatique, quoi. Et puis on n'osait pas trop toucher les boutons qui sont à côté. Le premier médecin kanak, Paul Roizé, décède suite à un malaise cardiaque. Homme politique et sportif, l'enfant du pays s'est éteint le vendredi 16 octobre au stade Noumadeli lors du match qui opposait Tiga à son club Gaïcha. Très ému de voir le résultat de son travail d'une année autour de la danse contemporaine. Surtout dans un espace ouvert, l'idée était de sortir des espaces attribués pour la culture et de prendre d'assaut des lieux urbains. Paul Roizé manquera à sa famille politique, à ses passions, mais également à son club de cœur. Vive Gaïcha ! Vive la Calédonie ! I want to say hi to our friends in New Caledonia. Keep growing, stay focused, don't lose DMP. You, the one who make DMP famous. And let's say, Merry Christmas and Happy New Year. Wow!